Bienvenue dans cette nouvelle Yu-Gi-Oh! Mais on se retrouve aujourd'hui, les gens, pour l'épisode 5! Non! 6, voilà, faut que tu fasses le plus. J'ai plus assez de mains, parce que sinon plus. 6! 6 de Splatoon en mode histoire. Ah, bah, y'a trop un truc. Donc, vous mettez un maximum de pouces bleus, de commentaires, à s'abonner à la chaîne, à nous dire si ça vous plaît toujours, à nous dire si vous avez bien avancé sur le jeu. Bah, carrément. Guillaume, alors, il passe son temps sur les cartes. Donc là, il va finir. Non, mais on va faire les vidéos online. Ah, on va vous montrer que Guillaume, il a débloqué tout le jeu de cartes. Ouais, le jeu de cartes, je suis pas mal avancé. J'essaye. Et puis on avance aussi bah, le mode histoire, comme vous le voyez tous les jours en ce moment. Et puis après, vous aurez du online, ouais, du Salmon Run, etc., etc. On le réexplique, on préfère s'attarder sur le mode histoire et quand même, bon, la grosse nouveauté. Exactement. De Splatoon 3, parce que même si, voilà, Salmon Run, c'est nouveau, même si le online, il y a de nouveaux trucs, la principale nouveauté et celle qui est quand même la plus stylée, c'est le mode histoire oui, qui est tout nouveau, tout neuf. Exactement. C'est-à-dire tout nouveau, tout beau, c'est-à-dire que tout. C'est neuf, c'est tout ça. Est nouveau, il y a pas de, il y a des clins d'œil, mais il y a pas du tout de déjà vu. Ouh. Ah ouais, ça coûte une blinde, heureusement que j'avais assez. Pas mal. Oh punaise, c'est long. Ah ouais, c'est chelou leur la configuration. Elle est bizarrement fichue cette île là. Il est après le, là, je pense que le 1 c'est celui là. Ah, donc tu débloques tout avant de débloquer le 1. Chelou. 800, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Le 2. Ah, le 2. Donc, toujours pas le 1. Oh, 13. Ah oui? C'est stylé. Bah, c'est parti. On va faire le 2, hein, tant pis. Hein. Sinon, on fait de la fin. Ah ouais, mais tu fais la fin, alors. Je fais celui-là, 40. Vas-y. Je fais les plus gros. Allez. Ouais, parce que moi, c'est une galère hein, à chaque fois. Hein. Je fais les plus gros, comme ça, on récupère beaucoup plus d'œufs. Récupère tous les œufs de poisson. C'est quoi? On a aussi les bombes ballons, les bombes curling. On a débloqué. Et les bombes classiques qui sont en bas. À la place du salmio, je peux prendre une des 3. C'est ça. Alors, les autres poissons récupèrent tous les autres poissons dans le temps imparti. Bah, très bien, les pinceaux. Et t'as combien de temps? Avec la belle couleur bleue. Ouais, ça c'est stylé. Tu as 1 minute 10. Ouf, est-ce que t'aurais peut-être dû regarder avant. C'est Pac-Man! Oui, c'est ça, c'est Pac-Man! C'est un niveau Pac-Man! Pac-Man Splatoon, tu dois tout récupérer. C'est Pac-Man! Ah oh, mais du coup t'aurais dû aller à un autre endroit. Faut que t'ailles au-dessus. C'est Pac-Man! Eh c'est trop bien! Punaise! 40 secondes. T'as été au-dessus? Encore 10. Ah oui, 53, 54, 55. 55, 56, 57. Il reste quoi? À droite là? Il t'en manque deux. Il t'en manque un? Tu l'as vu? Non. Oh, il est caché derrière, je l'ai vu, je crois. Let's go. Ah, tu veux pas que j'en laisse un tout seul parce que je vais l'oublier. Oui, sinon. Oui. Genre lui, tu vois, pas que je laisse. Par contre, t'as laissé un encreur là. C'est pas grave, c'est bon. Lui, il était caché. Ouais, lui, il est caché. Parce qu'il peut aller dedans le. C'est ça. Tu fais un peu n'importe quoi là. Ok. À gauche, à gauche. Tout droit. Encore 10. Et on se concentre. Ok, prends ça. Là. Là, 3. Le problème, c'est qu'ils vont me bloquer les autres trucs. C'est bon. GG. Mais ils étaient... En fait, ils te... Ils nous ont embêtés, hein. Ils te cachent de ouf, hein. Bah oui, ah, de dommage. Ouf. 1 minute 0. Ah oui, ouais. On va essayer de faire les plus durs et puis à ce moment-là, on va laisser les trois faciles à Kim. Enfin, les trois histoires. Mais non, mais on vous a dit qu'on changeait de façon de faire. Oui, parce que c'était... Bah là, c'était pas dur, mais... Non, c'était de la rapidité. Fallait pas trop se bourrer, quoi. Bon, let's go. Let's go. Alors, avec le mollusque. J'en ai pas beaucoup vu en ligne qui utilise ça. Hein. Non. Sans être méchant, je pense que c'est pas... En fait, les gens utilisent vraiment... Liquidateur. Non, mais du coup, le requin... Ah, tu vois, j'essaie de viser, mais...
Ah, c'est bon, tu l'as. Ah, c'est bon. Ouais, je pense qu'il faut passer sur les côtés, faut pas aller en ligne droite. Forcément en ligne droite, ouais. Pas mal. Ça, c'est pas mal quand même. Mais que dans le mode histoire. Ok. Tu utilises que dans le mode histoire, ça. Oui, tu dis pas sinon parce que c'est. Ok, désolé. Mais crois que l'affaire est dans le sac. Ah. Tu peux t'accrocher partout. Bien. D'ailleurs, le jeu Splatoon 3 a fait un record de fou au Japon. Au Japon, je pense qu'au Japon, c'est le jeu le plus vendu. C'est une institution de fou. De ouf. C'est vrai qu'il n'y a pas cette aura, je pense, en Europe. C'est dommage. Peut-être parce que, un peu aux États-Unis. C'est vraiment un bon jeu. Je crois qu'on avait parlé il y a longtemps, mais je crois que c'est surtout aux États-Unis et Japon. Ouais. Oui, oui, oui. Europe. Moi, je dirais Japon surtout. Quand mais même. Japon, c'est ouf. Hein. La Switch. Oui, elle est en rupture. Elle vaut l'or, la Switch version japonaise. Hein. C'est la même, hein, mais du coup, version japonaise. C'est ça. Donc l'adaptateur secteur n'est pas le même. Oh punaise, oh, j'ai pas pu faire l'ulti. Ouais. Ouais, parce que c'était peut-être trop près. T'es trop proche, ouais. Ok. Et du coup, ouais, le jeu, il y a même un Ichibankuji et tout. On a hésité. Parce qu'en fait, il y a un. On vous le dit pas, parce que sinon vous allez l'acheter. Le lot. Il vous dit pas lequel, il est vraiment trop bien. Ah, s'il est en vente sur eBay, mais il est très cher parce que, au Japon, le jeu, je pense que. Oula. C'est bon. Il y a des éditions collector aussi, Splatoon. Oula, c'est pas trop long. Avec Amazon, et du coup, vous avez une sorte de grosse boîte d'eau noire et vert qui est magnifique. Ah, ils ont fait des trucs bien. Amazon et Japon, par contre. Hein. Oui, ouais, par contre, ouais. C'est ça que tu vois que le jeu, c'est vraiment, vraiment Japon, quoi. Je suis prêt. Ils sont vénères, les petits, là. Qu'est-ce que je suis censé faire? Bah, allez. Ah, oui. Ah, ils vont t'embêter, bah oui. Ah, faut qu'il te voit pas, mets-toi en squid. Tu peux pas? Si là, non, tu peux pas. Ah, GG. T'as eu dans le bouclier. C'est ça. Ah, GG. Oh non, les pauvres, ils sont là, ils sont trop chauds. Ceux-là. C'est disco. C'est des nouveaux ceux-là. Hein. Oui, ah, une clé. Pour ouvrir la porte. Bah, heureusement que tu l'as fait finalement le niveau. Oh non! Il y avait un truc derrière. Ah mince. Il y avait un cube derrière. Ah oui, mais ça se trouve. Ah non, c'était ça, la clé. La clé de quoi? Bah, la clé c'était pour ouvrir la porte derrière, ça c'est pas ouvrir cette porte là. C'était juste un effet d'optique, ah, t'as montré, c'est vrai, mais non. Bah, après, normalement y'a rien à débloquer donc. Ouais, c'est parti. Let's go! Avec le choc chromatique, yes. Donc l'ulti. Une demi-heure ulti d'ailleurs de. De Splatoon, je dirais. Ouais, parce que du coup, t'es, ça te save bien. Oui, mais ouais. C'est lui qui a quelle arme elle a parce que je joue pas avec ça. Ah oui, bonne question. Enfin, elle est derrière. Et boum! Yeah! Ah, c'est marrant de l'utiliser tactique, de haut. Là. Après, est-ce qu'il y a vraiment des phases comme ça dans les modes online où tu peux vraiment? Oui, ça, je sais pas. Après, tu peux faire des kills pas mal avec le choc chromatique. Si, si, elle est sur une arme qui est bien en plus. Ah oui, j'ai hésité, je me suis dit. Non, mais c'est bon, tu peux le faire dans. Ouais, c'est ça. Alors là, faut attendre que le rouleau passe. Bien, t'as récupéré les yeux en même temps. D'ailleurs, c'est quoi votre ulti préféré de Splatoon 3? Le dauphin est bien. Moi, j'aime bien le dauphin, ouais. Le dauphin est bien. Moi, si, celle que. Celle qui est avec le liquidateur aussi. Les trois lancers là que tu fais. Allez, mince. Faut que t'attendes que ça tourne. Oh, oh là! Ils sont tous visés! Ouais, c'était plutôt facile en fait. Ah, quoi, c'est pas fini. Attends. C'est pas fini. Final. Oh non, tente à tourelle à 12h. T'es au bord là. Yeah! C'est satisfaisant. Ah ouais, de ouf! Ah, c'est de ouf, satisfaisant. Très satisfaisant, voilà. Bah, bravo. Rapide. 5800, on va pouvoir tout débloquer. Visibilité, donc tu vas avoir juste un rond. Ou alors, c'est parce que c'est des zooms.
Il y avait un zoom, mais il y avait un... Oula ! Ah ouais, d'accord, le brouillard. Ouais. Donc tu vois pas grand-chose. Ouais. Donc tu vas aller voir au dernier moment un peu les... C'est un peu caché, quoi. Oui, c'est ça. Il était dos, lui. Oula, pas lui. Ah, un ulti. Les bruits te montrent que tu le vois, même quand oui, tu le vois pas. Oui, c'est ça, ouais. Ah bah, tu les as tous eus. Très bien. Hop. Une armure. Hop. Prendre contrôle. Ouais, moi, je m'attendais à des secrets dans certains niveaux. Peut-être qu'on en a loupé, mais je pense pas, on nous l'aurait dit. Bah, si t'as fait le 100%, je pense que... Si l'obligation te dit que tu fais le 100%, je pense que t'as rien loupé. Ils ont pas la maîtrise. Celle-là, elle est bien comme ulti aussi, mais moi, j'utilise moins. Guillaume, il utilise beaucoup parce qu'avec le marqueur léger, c'est ça ? Marqueur lourd. Marqueur lourd. Marqueur lourd, c'est pas ça, c'est... Il y avait pas... Bah, à un moment, tu utilisais cette ulti. C'est le marteau. J'utilisais ça sur... Moi, je sais plus. J'ai beaucoup utilisé le... Moi, j'ai utilisé le katana, pas mal. Qui m'a utilisé le katana pas mal, ouais. Bah, l'aérogun, le Kidator Junior. Ouais. Celui du début, forcément, parce que... Oui, bah oui, oui. Il était caché. Bah attends, il y en a un autre. Ah oui, ceux qui sont des, ceux qui sont des masques. Ouais. Ils ont des tubas. Il faut le faire de l'autre côté. On voit pas grand chose, ouais. Oui, c'est vrai que c'est. Du coup, c'est pas très joli. Parce qu'on voit non, pas les ouais, décors ouais, au fond. Ouais. Donc, Mince. Mais c'est ça. Ouais. C'était pour recouvrir le sol. Ah, attends, il y a un truc dans. Ouais. Il y a un truc dans la peinture. Il y a un petit truc qui était caché. On l'a vu. Oh. Oh là, fais gaffe. GG, il y en a un deuxième qui a éclaté. Des œufs. Il n'y a pas autre chose au fond ? GG ! C'était facile. Bah, t'as bien géré, ouais. Let's go ! Bravo ! Bah tu veux faire un... Bah si tu veux, tu veux faire un... Ouais, attends, je le choisis un bien. Des héros. Ouais, mais à chaque fois que je vais un héros, c'est pas le bon. Enfin, bah, c'est les pas... héros sont faciles, c'est ceux avec le... Ah oui, c'est... le héros. Les dorés. Ah oui. Si tu peux... Parce qu'on sait pas où est le 1, on n'a pas le 1. J'avoue. Bah sinon, on débloque, vas-y. Débloque un peu la zone et puis trouve le 1. Il faudrait que tu trouves un... Où est-ce qu'il... Ah bah si, là, juste là. Vas-y, il faut que t'enlèves ça, au-dessus. La montre qui était juste là. Donc ce sera le 1. Donc vas-y, comme ça on va faire pareil. Tu peux faire le 1 et le 2 si tu veux, et puis après Sinon tu vas faire les 4 d'un coup. Et donc là, normalement, embuscade en cascade. Du coup, j'ai hâte de débloquer ça. Et l'ennemi atteint l'arrivée. Beaucoup de gens, du coup, en fait, c'est assez particulier. J'ai un monde, ils ont retravaillé beaucoup l'équilibrage. Oui. Et on tombe vraiment avec des gens. On a juste l'impression qu'il y a personne qui a acheté Splatoon et qui ne savait pas y jouer. Oui, par contre, ouais. C'est... Après, ce qui est logique, hein. Mais après, c'est logique à notre niveau. Oui, mais oui, non, parce que moi, par exemple, sur ma console, donc ça m'a récupéré mon compte, j'étais qu'au niveau 4. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, donc c'est pas logique. Bah ouais, mais c'est par rapport au nombre de victoires, et on fait beaucoup de victoires, et puis on joue oui, pas mal avec vrai. Des abonnés. Oui, et qui sont, je pense, assez haut niveau. Il y a Thibaut, il y a TFSFSan, il y a Matisse, Elisa, on a joué avec plein de gens qui sont dans la liste d'amis. Bah d'ailleurs, faut pas hésiter, hein, si vous retrouvez la liste d'amis. On essaie d'en ajouter un petit peu, mais on vous donne pas le... Enfin, ça sera... Toi, l'équipe, il va trop comme une bombe. Tiens, t'élimines personne. Bah, ils m'ont pas dit d'éliminer. Mais... Mais le problème, c'est qu'ils tirent dans le dos. Non, c'est bon, je les esquive. C'était coincé. Attends. Ouais, finalement, c'était pas si facile que ça. Hein. Lancer le sale mioche. Ah oui, bah oui. Bon, j'y vais. C'est GG. Bon, j'en ai éliminé quelques-uns. Bah, en fait, il n'y a pas de récompense à éliminer les ennemis. Donc, oui, donc 1. Ah, c'est marrant, ils ont peaufiné beaucoup le mode online, certains petits trucs, voilà. Et en fait, bah non, mais c'est un peu comme dans le. Je sais pas si vous avez joué aux cartes et territoires. Attends, c'est quoi comme outil ça? C'est le truc que t'aimes bien avec l'utilisateur, la tornade. Tu utilises. Non, il faut que tu utilises plus proche. Non, plus proche. T'es trop loin. Ah oui, j'en ai mis un. 3 coups. Fais gaffe parce que tu viens de le déployer ce truc par terre. Tu viens de le déployer. Ouais. Ah oui. T'aurais pu tomber. Voilà. Et carte et terreur, ça me paraît parce que. Oh là là, fais gaffe, reste dans un coin. Attends. Là, il y en a juste là. Et ça le mieux, j'ai vu, il est parti. Oui, il est parti, il a eu peur.
Il a fait genre non, moi j'y vais c'est pas. C'est pas évident, hein. Attends, mais il a fait genre moi j'y vais pas. Mais non, c'est, tu l'as lancé sur rien donc il a. Ah, il y a un truc en haut. Ah oui, il va être relou lui. Sale mioche, il faut que tu passes à gauche. Vas-y, passe à gauche, avance. Et lance ton truc là en hauteur. Lance-le. Mais non, mais. Oui. Sale mioche. Fais de la partir en dessous de toi. Il s'en sort ou pas? Vas-y. Merci voilà. Petit, tu m'as bien aidé. Mais cartes de territoire, ils ont, je sais pas, en fait, je trouve que c'est un peu bizarre, il y a beaucoup de choses à débloquer et il y a rien qui est expliqué. C'est-à-dire que il y a des spot tickets, des badges tout à voir et je vous jure. Oui, il y a pas de menu. C'est au bonheur de la chance. Ouais, oh tiens, j'ai débloqué quelque chose. En fait, tu sais pas ce que t'as débloqué. Tu sais pas comment débloquer, j'ai même cherché des tutos. Enfin des topics sur internet pour trouver. Faut que tu tires avant. Ouais. Pour trouver les récompenses du Table Turf, donc le quartier de territoire, pour savoir à quel moment je débloquerai quelque chose. Et en fait, tu débloques tous les personnages sans les combattre, donc du coup, il n'y a pas d'intérêt forcément de les combattre, sauf s'il y a un badge, vous allez me dire peut-être qu'il y a un badge, mais il faut me dire comment vous avez eu, par exemple, j'ai vu certains qui... Oula. Ton choc chromatique, va dessus au pire. Vas-y, va dessus, et choc chromatique derrière lui. Ouais, c'est bon. Ouais. Les decks ont Harmonie. Donc en français. Le nouveau perso. Ouais, en badge. Est-ce qu'il faut acheter ou est-ce qu'il faut l'abattre 70 fois carte de territoire? Non, mais je vous jure, des fois je me dis attends, parce que Carpou, je l'ai battu 11 fois en niveau 2, en niveau 3, j'ai rien débloqué. En fait, je sais pas, parce que tu débloques tous les persos en carte de territoire, mais ça rapporte rien de les battre. Donc oui. Tu sais pas si c'est ça pour avoir les badges, tu sais pas s'il faut vraiment les battre, est-ce qu'il y a un truc caché? Non, vas-y, fais le deux. Okay. J'ai vu qu'il y avait d'autres cartes aussi à débloquer. Comment on fait? Faut attendre qu'il tombe chez Mona. Tu sais pas, et en fait, je vous jure que j'ai cherché. Il y a pas d'explication. C'est comme. Oui, parce qu'il devrait avoir une petite liste de débloquer. Tu débloques ça. Mais sur les d'autres cartes, je suis à 2 sur 20. Il y en a 20 à débloquer, j'en ai que 2. Celui que j'ai eu niveau 20. J'en ai eu un niveau 20. Niveau 20. Attends, qu'est-ce que je dois faire? Oui, bah, progresse quoi. Attaque les ennemis en leur tirant dans le dos et atteint l'arrivée. Bah, ils vont avoir que des protections. Ah oui, parce que c'est que des trucs dans le dos. Vite! Voilà. Je sais pas si c'est ça. Fais gaffe, y'en a qui sont. Les tentapons. Et du coup, tu te dis, mince, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai vu qu'il y en a qui a des trucs de. Ok. De aussi de. Ah oui, c'est caché. Mais non, c'est là où ils étaient cachés. Hein? Ouais, des personnages en général. Bah, j'ai eu Charbitre en badge au bout de 50 victoires. En ligne. Oui, c'est ça. Je fais ok. Ça me paraît assez logique, tout que je débloque normal quoi. J'ai débloqué des splatiquettes sur le jeu de cartes. J'ai débloqué des badges. Des badges, j'en ai que 2 quoi. Alors que franchement, je suis à 30 heures de jeu quoi. Et du coup, je sais pas trop. Bah, on en aura avec le mode histoire, ça c'est sûr. Ah bah, ça c'est sûr, ouais. Il y en a avec Monsieur Ours. Donc, tu fais tant de parties de Salmon Run. Ouais, sauf que j'ai un peu stop le Salmon Run, on a joué une fois. Bah, parce qu'on attend de faire en vidéo. Ouais, c'était un peu long. GG. Et du coup, on se dit, mince, il n'y a pas d'indication. Et du coup, j'ai cherché sur internet à un moment. C'est parti, petit. Les splatiquettes. Oui, je vois un truc, un topic anglais, et puis il dit, ouais, voici les splatiquettes à débloquer. Il y en avait 5. Et en fait, c'était que le truc où tout le monde le sait. T'en as une que t'as en QR code sur internet gratuitement sur Nintendo, Splatoon Nintendo. Il veut la promo. Non, mais c'est vrai. T'en as une qui est gratuite, j'ai toujours pas récupéré. Hein. J'ai la promo, moi j'ai pas récupéré. C'est, tu scannes un QR code avec l'application Nintendo et tu les récupères sur le jeu. Ah oui, trop facile à voir. Ce qui est important, c'est surtout se connecter sur Splatnet pour avoir tous les costumes. Parce qu'il y a plein de costumes intéressants à récupérer. Ah oui, faut que je fasse. Il y a les oreilles de Monsieur Ours. Ouais, mais ça c'est pas achetable dessus. Ah, c'est pas achetable dessus. Non, je sais pas les oreilles, je sais pas où elles viennent. Mais vu que tout le monde l'a, ça va pas être très compliqué. Ouais, quand tu vois un truc que tout le monde a, tu dis bon, ça va pas être très compliqué. Oui, c'est sûr. Vous verrez ma belle bannière carte et territoire que j'ai débloqué en 3 jours, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui l'aient. Ah, Guillaume il se la pète avec. Non, mais elle fait un peu des trucs. Avec son truc carte et territoire là. Ouais. Exactement. Et je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui aient déjà le dab niveau 98 du pass. Il faut que tu sautes. Oui, j'ai vu. Les tentapons choc. Viens là, petit tentapon choc. Saute. Oh. Non. Envoie ton petit là. Mince. Qui va se faire voir? Il y a trop de choses à faire. Mais non, mais envoie ton petit. Tu l'envoies dans l'eau. Il est bien dans l'eau. Voilà. Ouais. Il va en avoir un autre, non? Non, il y avait que 2. Ah ouais, tu vois.
Fais gaffe, il y a sauté sur toi. Ah, c'est bon. Je vous attends, hein. Non, tu peux aller voir. Fais gaffe, fais gaffe. Voilà. GG. Easy peasy. Bah, il semble plus dur. Il semble dur, mais ils sont faisables. Je le fais, bah, cool. Vous pouvez le faire. Vas-y, moi, voilà. Je vais faire les autres. Allez, 3 minutes, t'as vu. GG. 3 minutes, 0 minutes. Mon dada, c'est d'attaquer de dos. Je vais faire les pas dorés. Toi, tu fais les dorés. Oui, vas-y. Bah, il m'en restera 2 et toi, il t'en reste pas mal. Bah, je sais pas. Parce qu'il faut qu'on débloque encore. Je vais peut-être aller débloquer, par contre. Ouais, vas-y. Surtout qu'on en a gagné pas mal, hein. Là, on est à beaucoup, hein. Parce qu'on était ça se trouve, pour battre le boss de fin, il va falloir 10 000 œufs de poisson. Bah, j'espère pas. Parce que s'il faut débloquer plus que... Oh. Il a trouvé un truc, mais pas là. Ceci était là-bas, je l'ai vu. Ah, génial. Franchement, c'est génial. Ah, il a trouvé un cachet. C'est bien, petit. Ah, c'est un là aussi. Un disque en or. Disque d'or, des 10. Ok, encore un CD. Donc, on a fini les CD, je pense. Je pense, ouais. Oui, et les capsules. Les capsules, et du coup, il manque... Bah, tu peux faire le niveau qui est derrière. Attends, mais il manque un truc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah non, c'est bon. Tu peux faire le niveau qui est derrière. Ok, d'accord, chef. Non, mais je sais pas. Ah non, mais on force. Ricochet très recherché. Il utilise le ricocheur. C'est quoi le ricocheur? Ah, bah oui, bah c'est le truc que je savais pas à quoi ça servait. C'est pour repérer les gens. Alarme secondaire. Je sais toujours pas quoi ça sert. Si, ça, si tu touches les gens, ça les repère. Ah oui. T'as loupé. T'es pas obligé de tous les avoir, si? Je pense que ça sert à rien. C'était juste pour m'entraîner, mais je pense que ça sert à rien, les trucs que je vise. Les œufs de poisson? Regarde ce que ça fait. Ah oui, oui, oui. Ça fait un fil et on sait où il est. J'ai l'impression, hein. Bah oui, je pense. Mais ça lui fait des dégâts en même temps. Ah ouais, ouais, c'est... C'est quand même pas mal de dégâts, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Tu deux fois venir dessus... C'est 10 ans pour que ça ricoche partout. Moi, je vais au milieu, tant pis. J'espère que ça reste longtemps. C'est un peu compliqué. Ouais, j'ai galéré un peu. Hein, oui, dur, j'ai vu ça. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Ouais. Ok, oui, mais... et après, faut bien viser. Hein. Ah, tu peux voir, si. Pas mal. Non, pas mal. Stylé. Ouais, c'est marrant. Pas mal. Compliqué. Et en bas. Ah oui, mais il faut que tu le fasses au bon moment. Ah, je pense que t'as réussi. C'est marrant. C'est pas mal. C'est pas mal. Honnêtement, je voyais des flux comme ça en partie, je savais pas trop à quoi ça servait. Ouais, c'est bam, bam. C'est pas mal, ça fait un petit snipe, ouais. C'est cool. Mais tu l'as pas deux fois de suite. Ah bah si. Si. C'est que ça consomme que dalle, c'est un petit truc. C'est pas une grenade, quoi. J'avoue, c'est énorme, alors. Bon, écoute, hein. Envoie le sandwich, hein. Ah, tu vas peut-être pas. Tu vas pas. Je sais pas. Mais non. Ah, ok. Allez, c'est pas facile, hein. Mais c'est pas facile. C'est stylé. C'est stylé, mais c'est... Ouais, c'est stylé. Oh, j'aime la vache. Bien. J'aime beaucoup, c'est stylé. C'est de la viser sans te faire éclater par plein de bottes. Oui, c'est ça, ouais. Attends. Ah, pas mal. Ah oui, tu as les ennemis comme ça. Non, faut que tu les aies avec les ballons au-dessus.
Pas mal. C'est marrant. Pas mal. Il te reste un. Ça va être chaud, tu vois. GG! C'est stylé, hein? C'est stylé de ouf, ouais. Ouais, c'est très stylé. C'est très très stylé. Mais on sait au moins où, enfin à quoi ça sert. Oh là là, tu l'as même pas fini avec! Pas mal! Non, en plus, t'as pas. C'était long, mais c'était stylé celle-ci. T'as hein. pas cherché à faire avec l'autre arme et tout. Par contre, c'était dit, moi je trouve que le truc d'avant c'était vraiment difficile. Deux. Bah, ah oui, ouais, clac, clac, parce que clac, t'as vu à un moment, c'était juste le truc qui allait revenir. Non, non, c'était assez compliqué. Eh ben, GG. Il me demande d'essayer ça et c'est 2000. Eh ben, on va essayer ça. En même temps, c'est la nouvelle arme alors. Je joue pas du tout celle-ci, moi, je joue une autre. Ah oui, bah, il faut ça. Pour les bombes. Oh. C'est bon, t'as les bombes. Hyper, c'est pas grave. C'est joli, hein. Ouais, ouais, c'est très joli. C'est joli que quand même les brouillards. Hein. Oui. T'as pas tant de portée que ça, des fois c'est un peu perturbant. Oui, t'as l'impression que tu peux viser des méga loin et en fait, pas tant que ça. Bien joué. Ouais, je peux pas viser. Et là, c'est bon. T'aurais peut-être pas dû accélérer. Pourquoi j'ai pas accéléré? Ah bon? J'ai l'impression que t'avais accéléré. Non, 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 j'ai fait juste un saut. Pas mal. Vise bien. Pas mal. Pas mal. Ok, maintenant c'est à gauche. Pas mal. Ok. Là, ça va être pile de cible droit devant. Oula. Oh là. Pourquoi il est tombé ton personnage? C'est pas évident du tout tout ça. Hein. C'est un peu compliqué comme niveau. Il n'y a pas de sauvegarde donc. Et puis en fait, tu reviens vraiment toujours au début. Et en fait, si jamais tu vises une fraction de seconde à côté, bah en fait, ton explosif il est pas au bon endroit et du coup ça explose pas tout. Oh, c'est bon. C'est là où t'as craqué? Punaise, mais je vise l'explosif, il est chargé, ouais. Et il se déclenche pas, j'ai l'impression que... GG. Et à côté, c'était... Et normalement, il reste ça. Franchement, tout ça pour ça, je suis deg. Non mais vraiment, je suis deg parce que tout ça pour ça, c'est-à-dire que... Ouais, il t'en manquait un. Il m'en manquait deux. J'ai réussi le deuxième coup, troisième coup, ouais. Et il manquait... Je vous jure que j'ai galéré à revenir à ce moment-là. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que t'as les flèches explosives, si elles se mangent une boîte, elles disparaissent. Oui, c'est ça, c'est ça. Sauf qu'en fait, tu lances trois flèches explosives, tu te dis, bah ça va, il y en a une qui va tomber à côté. En fait, des fois, faut faire exprès de viser à côté. Oui, c'est ça. Faut viser sur le mur à côté. Exactement. Et c'est dur. C'est dur, franchement. Avec l'arc, c'est difficile. Ah, c'était dur. Parce qu'en fait, t'avais pas de point de sauvegarde. Ouais, oui, oui, oui. Et je voulais vraiment réussir avec l'arc. Ça me faisait plaisir. Et dedans, de faire avec l'arc. Je vais faire avec l'arc. C'est avouer, avouer un échec. T'es sûr que tu prends ça? Comment? Essaye avec ça, il a dit. Ok. Ah, j'ai pas envie de jouer avec l'arc. Il me saoule. Oh! Oh non, encore. Oh! Ils sont fous. C'est quoi ces niveaux là? Je sais pas, mais ils sont méchants. Ils étaient vénères, je crois. Ah ouais, 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 ils sont méchants. Bah ouais. Ah mais je voulais pas sauter. Et plouf. Ça va, t'étais au début. Après, d'après eux... C'est vrai que le bambou, il se charge vite. Oui, oui, oui. C'est pas mal. D'après eux, il y a que 3 vies, donc c'est facile. L'autre, il y avait 5. Sauf que c'est dur, parce que 5 vies, alors que... Si, c'est pour pas repayer, si t'as pas de sous, mais... Quoi? Ah oui, t'avais un truc de sauvegarde, là. Ouais, c'est... Pourquoi? Tu reviens en arrière peut-être après? Ah oui, tu reviens en arrière. Ouais, il y a des brocolis dans l'eau. Je sais pas, mais j'avais fait penser à ça aussi, moi. Alors, ça, c'est tout sauf pour moi, ce genre de niveau. Ah! C'est pour ça point que de contrôle. C'est facile. Oui, parce qu'il y a des points de contrôle. Déjà, tu vois même pas où tu vas.
Ok. Ouais, je sais pas c'est quoi la portée. Oui, ouais. Oh! Voilà. Bon, il est plus facile point que l'autre. Point de contrôle. Il est vachement plus facile que l'autre. Oui. Après, aussi, ça, j'aurais pu réussir. Attends, où est-ce qu'il faut viser là? Dans le ballon. Ok, c'était pas le ballon. Enfin, on s'en fichait du ballon. Ok. En face. Il faut penser à sauter, quoi. Point de contrôle final. Faut penser... Oh! Oh là, oui, je l'avais pas vu non plus. Quelle acuité visuelle. Incroyable. Oh punaise. Ah oui, ah, oui. Ouais. Oh, oh, punaise. Oh, oh, oh. Ça, c'est ça s'appelle la méchanceté. Pas mal. C'était fourbe. Ah, il est ouf. Oh là. Oh là, oh là, oh là. Mais non. Oh. Oh. Quoi? Ah oui, tu revenais en boucle. Ah oui. Au bout, tu revenais sur le boucle. Ah oui. Okay. Ok, c'est pas méchant. Quoi? Ah là, c'est bon, t'as réussi. Possible. C'est pas possible sans la bombe, je pense. Enfin, si, mais c'est plus compliqué. Oui, faut avoir oui. une. Faut se retourner vite et bien viser. Voilà. Et c'est bon, voilà l'arrivée, bien joué. Moi, je suis pas tombé, au moins, mais c'était long. Non, c'est. Oui, c'était pas mal. J'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi, ça a duré au moins 6 minutes. Je pense, ouais. 3 minutes? Ça me paraît beaucoup plus long que ça. Oui, moi aussi. Je sais pas si tes niveaux ils sont plus faciles. Ah non, mais l'arc c'était trop dur. Ah, jouer avec l'arc c'était dur. Voilà, il y a plus dur, hein, certes, vous allez peut-être dire ouais, c'est trop facile. Voilà, faut toujours voir en disant. Bah, c'est facile pour nous, on n'a pas mis 2 heures, on a mis 15 minutes, mais. Enfin, j'en sais rien, même 10 minutes, je sais pas. Mais faut se dire sur quelqu'un qui découvre ce patou. Oui. Tu vois, faut mettre à la place des nouveaux joueurs. C'est ça. Bah, je suis sûr qu'avec l'arc, vous allez galérer. J'ai juste la mioche. Tu peux monter? Tu peux monter? J'ai loupé plein de trucs, hein. En même temps, ils sont vénères, les petits, là. Bah, il faut juste que tu progresses tout en haut, hein. Oui, c'est ça, hein. Ouais. Heureusement, t'as le bon chemin, je pense. Oui, je sais. Ah oui, t'as loupé des caisses. Oui, oui. Oui, bah, on a 8000, je pense qu'on est bien. Go, 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 go! Sale mioche! Tiens! Figure. Dans ta face! Non mais c'est cool, c'est que ça fait plaisir parce que au moins il y a de la consistance un minimum. Oui. Et juste avant de s'entraîner pour l'online, et puis après vous aurez des vidéos sur le Salmon Run. Je pense qu'on commencera peut-être par le Salmon Run. Ou l'online. Non, peut-être nos premières. Il faut qu'on fasse des parties en vidéo. Ce sera pas nos premières parties parce que du coup on a beaucoup joué. Là, tu pourras pas d'ici, il est trop long, il est beaucoup trop long. Mince. Ok, j'ai loupé, c'est pas grave. Allez, c'est 3 tirs ou par rapport au temps. Je fais gaffe parce qu'il y a des ouais, bon snipes. T'aurais dû le garder. Vas-y, mais l'autre il est tombé. Faut que tu montes, hein. Vas-y, 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 vas-y. Hop, et là tu vas te cacher derrière les. Ouais. En dessous, vise en dessous là. Non, non, recule, recule. Ah, oui. C'est bon. Faut que tu passes de l'autre côté. Ok. Ouais. Ah ouais, d'accord. Oui, c'était un peu too much, mais bon. Bah attends, gardez pour l'autre là-bas. Ah, remarque, t'as ça. Merci. Ils sont chiants ceux-là. Hein. Ah, il y en a plein en plus. Bouge pas, bouge, bouge, bouge. Ouf. C'est bon. Fini, ouais. Je vais lui faire derrière les poteaux. Ouais, c'est tranquille. Ces niveaux-là, c'est plus tranquille, ça t'apprend. Qu'est-ce que ça t'a appris là? Bah, les esquiver. Ouais, les esquives, les. Après, j'ai pas vraiment. Quelques ultis. Sale mioche. Sale mioche, c'est one shot. Tu vois, t'avais des bombes sinon. Oui, oui. Oui, oui, j'aurais pu utiliser des bombes. Des tentatourelles à la pelle. Moi, je trouve que je suis meilleur que Guillaume quand même. Parce que là. Ouais, mais tu vois, c'était long aussi. Et... Ça va, j'ai essayé de me grouiller quand même. Donc, peut-être que le monde dit sera 2 vidéos si c'est vraiment long parce qu'il y a le boss. Oui. Donc, oui. Si c'est vraiment vraiment long, qu'il y a genre 15 trucs. Ouais, et c'est tout, ça. Voilà. Bah, on débloquera tout. Comme là, on a 10 000. Bah, en fait, on essaye d'avancer aussi pour. Voilà, là, il n'y a pas de boss. Donc, on se dit, bon, il n'y aura pas de cinématique. Oui, c'est ça. Nous, il on va voir aura Rémi. Pas d'avancée. Normalement, ça va être Rémi. Si on est logique, c'est Rémi le troisième. Ah, oui, bah oui, mais c'est Rémi. Enfin, oui. Du coup, ça va être une raie énorme. Bah, je sais pas.
sauter dedans. Et choc chromatique. Et bah GG. Oh non. Boum, la boule disco. Pire, tu réinitialises tes... Tu vas jouer avec la manette vers le bas. Bah moi j'ai l'habitude de jouer. Qui met le gyroscope? Vas-y, plus bas, plus bas. T'as juste appuyé sur un bouton. Non mais vraiment, elle joue avec la... Attendez, j'ai une autre manette. Vous voyez, normalement un joueur normal jouerait comme ça ou habite comme ça, qui m'ajoute comme ça. Le gyroscope, c'est bon. Y. C'est pas grave, bah, du moment qu'il arrive. Non mais du moment qu'il arrive, chacun sa technique, hein. Ça c'est une technique de propieuse peut-être. Exactement. C'est juste une technique que personne n'utilise. Exactement, et en fait, qui est, pas, c'est secret. Qui est sûrement, ça se trouve, la meilleure technique du monde, on sait pas. Voilà, c'est peut-être sous-évolué. En fait, Kim, c'est une prodige du jeu vidéo. Oui, au moins ça, ouais. Et du gyroscope. Ah oui, bien sûr, ouais. Fais gaffe parce qu'il va y avoir une boule disco autour de lui, il va être trop chiant. Vite, 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 va dans la boule disco. C'est bon, bah elle est où la boule disco? Elle disparaît. Oh non, le pauvre. Il est trop moche. Donc c'est l'œuf de l'ipoutou, là. Ouais, l'ipoutou. Il y a un truc qui a cassé derrière. Non, mais attends, là. Oui, bah vive les œufs, hein, on a ouais, 10 000 tu ne laisses rien passer. Bah ouais, mais si, moi je voulais des vrais secrets. Hein. Il n'y a pas de secrets, mais je suis sûr qu'il y avait des secrets. T'es d'accord avec moi? Bah pour moi. Les pages étaient dans pages, les niveaux. Ouais. Pour débloquer des armes. Ouais, mais je pense qu'ils ont mis. Ça a tout ils ont mis les pages dans le monde pour que tu explores les petites. Les, tu vois, pour que tu aies envie d'explorer les petites phases. Faut pas que tu traverses juste un monde en faisant juste les niveaux et basta, parce que c'était un petit peu ça sur. Je croyais qu'il y avait un truc derrière. Mais ils auraient pu me faire tomber avant au lieu de me faire tout la... C'était dans Splatoon 1 et Splatoon 2, je dirais. Ou Splatoon 1 surtout. Tu sais, t'avais les pages dans les niveaux, mais du coup, les mondes... Si je me souviens, tu les passais, en fait. T'allais tout droit. Et du coup, ce qui se passait, c'est que tu prenais pas le temps de regarder un peu oui. La zone. Là, ils ont travaillé les zones de ouf, et du coup, bah, en fait, ils veulent te faire comprendre en disant, bah, les pages, elles sont là maintenant. Parce que du coup, comme ça, tu vas être obligé de regarder toute la zone et de découvrir un peu tout ce qu'il y a. Ok. Il y a ouais, une ulti là-haut, donc faut que tu bifurques le gros. Tu peux monter, vas-y. Appuie, 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 appuie. Voilà, tu peux te protéger. Avance, 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 continue. Esquive-les, et puis à ce moment-là, vas-y, encore. Il faut juste que t'aies lui, t'es chercher le... Alors là, il faut que tu vises bien. Fais-toi bien. Ah mince. Ouais, mais je pense que tu peux quand même. Essaye. Ah non, ça marche pas. Ah si, c'est bon. Ah, ça traverse quand même. Et l'autre là-bas. Ah, il va sur l'autre. Ah, oui, ouais, mais t'as eu plus gros. Bah, au pire, passe. Hein. Oui, ouais. Vers du grabuge, c'est bon. Oui, ouais. Vous avez qu'à pas avoir de bouclier. Et voilà. Moi, j'ai terminé mes niveaux. 5 minutes sans 40. Sans encombre. 5 minutes 40. 2 minutes 51. GG. Oula. Ok. Faut le faire en move, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Ça, c'est sympa comme monde. C'est pas mal. Pas mal. C'est, voilà, il y a un speedrun à faire, je pense. Ah ouais, là, de ouf, là. Tu vois, autant sur ce genre de petit niveau, t'as des petits chronos à faire qui sont sympas, je pense. Pas mal, pas mal. Quel move incroyable. Alors là, si t'as mis moins d'une minute, c'est incroyable. Bah, je pense que c'était rapide. Ouais. Bravo, Guigui. Très, très propre. Bravo. Je sais pas c'est quoi le record. Je sais pas non plus, mais je pense que ça va être 45 secondes. Bah, comme secondes, j'étais tué le monstre, c'était plus moins que moi. Oui. J'étais oui, j'irai à 40 secondes. C'est marrant. C'est pas mal. Marrant, franchement, ouais, c'est pas mal. C'était fluide. C'était assez, assez stylé. Normalement, c'est 57 qu'on fait d'habitude, mais là, 56, c'est bien aussi. Ah, puis ça. Et le dernier. Ah, c'était le plus court pour le coup. Tire loin, tire à loin. Le ah détonneur. Oui, le stylo. Le stylo de couleur, là, il est trop bien. Ouais, mais il me dit celui-là, et ça, c'est quoi? Ah oui, c'est des boules. Ah, ah oui, il y a lui, ouais. Des petites bombes. On voit bien, il est dans tous les sens. Il n'avait pas idée pour le titre ou... Bah... On va toujours un peu de langue dans tous les sens. Atteint l'arrivée quoi en fait. Ah je croyais que ça descendait, ça fait un effet d'optique. Finesse, ça m'a fait un effet d'optique et j'ai cru que ça descendait. Mais c'est un niveau classique ça non?
Pas mal ça comme truc. Ouais, c'est bien comme arme ça, c'est juste c'est un peu plus long. C'est comme le proxy blaster, sinon. Oui, non, c'est un peu le sauceur en version pompe quoi. Punaise, noob. Un peu compliqué là. C'est juste pas dessus. C'est trop facile pour toi en fait. Bah en fait ouais, moi je vise à côté, tu vois, on a pas vise à côté alors. Bien joué. Ah, ça fait un... Attends, si tu vises de proche... Oui, ça fait une sorte de... Ça fait un truc énorme. Ouais. Et de loin, ça fait vraiment... Ah, c'est stylé. Oui. Bien joué. C'est trop chou. Bon, c'est facile, hein. Enfin, pour l'instant, c'est le niveau bien le plus facile que t'aies fait. Oui, je dirais ouais, ça, ouais. Je dirais ça, ouais. Ça ressemble un peu à un mode classique. Oui, un peu ce que j'ai fait. Ok. Mais tu vas dead toi. Mais. Ok. Très bien cette arme. Après elle est trop lente, je dirais. Ouais. Ouais. C'est une sorte de sniper quoi. Ouais, oui c'est ça ouais. Ah punaise, je crois que c'était un curling. Bravo. Ah ouais, one shot. Ah c'est pas mal. Bravo, et du coup, on a terminé le monde numéro 5. Et bah, c'était... Incroyable. Compliqué. Bah, ouais, un peu plus difficile. Oui. Légèrement plus difficile. Après, puis... pour finir, de toute façon, le stage à 100%, il n'y a pas besoin de faire toutes les armes. Je sais pas si ça importe grand-chose, bon, j'ai l'impression que non. Faut nous dire, si vous avez des petites indications sur des badges, moi, on est preneur pour des badges qui sont faciles à débloquer. Dites-nous les badges que vous avez réussi à débloquer. Et qu'est-ce qui est marqué quand vous l'avez débloqué? Voilà, exactement. Est-ce que, par exemple, pour... Pour les 5 grandes victoires, on les a faites. Il y a certains trucs qu'on a fait. Oui, bah, les trucs où tu débloques, comment dire, une... quand tu utilises souvent une arme. Oui, quand tu utilises beaucoup de fois une arme, en fait, tu débloques son petit badge. C'est normal, parce que tu montes de classe avec l'arme. Bah, faut tout nous dire dans la vidéo, enfin, dans les commentaires. Faut pas hésiter à s'abonner à la chaîne. On se retrouvera demain pour la zone 6 et normalement la zone signal, donc peut-être un boss pour sauver Papy. Et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo de Gimme Kim. Allez, salut!